الوغ السلام عليكم نقدر نقول له لي شرف 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 كبير السيت تاع الجيريا فوت بوان كوم السيت تاع منى عصرين الفريق الوطني وزاد لا كرون ستار تاع الفريق الوطني بالون بالون دور شكون اللي ما يعرفك سا كي بريزونتي نقدر نقول له مي يعني نطيح بيك لي فوالا سام في نورمالمون بلازير نقدر نقول له مي لا جالاكسي فوت بور دي ريزون بروفيسيونيل ولا انكور بور ايدي الفوتبول الجيريان On est là, le stand est là, t'as l'Algérie, justement, je représente toute une jeunesse, tout enfin, le football algérien en particulier. Et ça fait plaisir de parler avec les supporters là. On est sûr de notre équipe hein, actuelle, de faire un bon résultat, Inch'Allah, de confirmer le passé, voilà. L'Akhtar Bellomi, c'est un joueur qui a arrêté la carrière il y a longtemps, ça, personne ne l'a oublié. Tout le monde, dès que vous dites Bellomi, même des étrangers ou voilà, des Algériens, tout le monde a une anecdote, un dribble. Tout le monde, quel effet ça vous fait à la vie de tous les jours que les Algériens vous ont pas oublié? Ça fait grand plaisir, c'est dans la moralie. Hein. Et puis Daoud Khed, Chab, elle est unique. Hein. Moi j'ai confiance au public algérien, les sportifs d'abord. Le connaisseur et je crois qu'à l'aide, enfin à cause du public actuellement, notre équipe s'est qualifiée à Blida. Donc ils ont joué un grand rôle, Inch'Allah. En Afrique du Sud, on essaiera de faire plaisir à ce pays. Et justement, l'équipe nationale regoute une Coupe du Monde cette année. Quels sont les conseils de l'Akhtar Bellomi pour les jeunes qui vont aller en Afrique du Sud défendre les couleurs nationales? Question très importante. Il faut qu'on présente nos couleurs sur le terrain. Donc notre public doit présenter dignement l'Algérie. Parce qu'on a une mauvaise image les dernières années. Donc laisse-nous pour nous au niveau. Et le fair play, c'est lui, c'est la meilleure solution, c'est le fair play. Voilà. Et vous qui suivez près cette équipe, puisqu'on vous a vu durant tous les matchs, est-ce que vous pensez qu'on a des chances dans cette Coupe du Monde? Certes, en football, il y a toujours des chances. Seulement, il faut les saisir. Hein. Comme l'a fait les dernières Coupes du Monde, là, surtout en 82, pardon, on a gagné l'Allemagne. Pourquoi pas on gagne pas l'Angleterre? Il suffit de travailler. Hein. On a le temps pour. Reformer, si vous voulez, surtout psychologiquement les joueurs. Donc, on a confiance en nos joueurs. Quoi. Maintenant, monsieur, je voudrais vous parler d'une chose. On est en 82, on est à Riron, au stade Moulinon. Il y a Salah Assad qui part côté gauche, qui vous fait un centre. Et là, vous arrivez, vous tirez. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Comment ça s'est fait? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce but, qui est un but historique, quoi? Certes, c'est un but historique, certes. Une chose est certaine que vous ne connaissez pas, c'est que moi, Majer et Hassan, presque depuis enfin, des années avant l'Allemagne, avant le match, donc depuis 1974 d'ailleurs, Kadigo Kadet, on jouait ensemble, on dormait la même chambre ensemble, donc on était comme presque des frères, on était un groupe, un trio magique. Imaginez, les Anglais, la Dream Team. Voilà, donc quand on est ensemble, tellement on vit ensemble, donc on joue avec les yeux fermés. Quoi. Moi, au nom des supporters algériens, les belles algériafoot.com, c'est le site à les supporters de l'équipe nationale. Je voudrais vous dire merci l'Akhtar Bellomi, merci pour la carrière que vous avez fait exemplaire. Merci pour le ballon d'or africain, Fessor, en plus vous jouiez pour le bled. Merci pour les phases de jeu, merci pour les deux Coupes du Monde, merci pour le Mouloudi Adorant, merci pour tout ce mascara que vous avez aussi. Mascara, le Galian Mascara, merci pour le basketball, l'Akhtar Bellomi a joué au basketball. Et merci d'avoir, fait, voilà. Merci d'avoir été un enfant exemplaire par rapport aux parents. Très attaché à ses parents, à sa famille. La bénédiction des parents, elle est unique. Elle est unique. Et d'avoir été un Algérien exemplaire. Et vous êtes toujours là chaque fois que le pays a eu besoin de vous. Alhamdoulilah, Rabbi, mabrouk alik el hajj. Merci. Là, c'est un plaisir. Merci pour tout. Au nom de tous les Algériens, je ne suis pas un journaliste, je suis fan. Merci. Au revoir, merci.